Tiens, viens dans mon dos maintenant, culé. Ah le bâtard. Je l'ai tué. Et moi j'ai acheté des nouvelles chaussures aujourd'hui, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je prends jamais de marque dans mes chaussures. Avec moi mes parents étaient à l'île Maurice, ils m'ont acheté des claquettes Adidas. Voilà, c'est une pointure 43. Je te jure, je rigole pas. La couleur, ouais, c'est la couleur qui m'a fait kiffer. J'adore, elles sont super belles. Faut que je les essaye, faut que je les mette. Mary, t'es recrue, hein, au passage. Ah, pardon, bah c'était ça ou les chaussures, mec. Hein, on peut pas faire deux choses en même temps. Regardez comment faire. Je vais vous montrer comment faire un spawn kill à la MP5 à la mire. On est 4 à le faire au monde et j'ai tué les 3 autres. Au lieu de tous partir en roaming, il y a personne qui veut surveiller les chiottes. Non, ça va aller. D'accord, ok, parce que. Ça ira. C'est gentil de proposer. Ouais, de rien. Non, les gens, faut pas ça. Quoi? Le problème, c'est que. Oh, nice. Ah, par contre, vous mourrez pas comme ça, les gars. Bah, ouais, ah, mais vous partez tous en roaming. Non, mais il m'a mis un headshot avec Blitz à 25 mètres juste en tirant comme ça. Attends. Valky, il est en haut de l'escalier. Ouais, mais ok. Enemy drone dropping for scan. What? Il voit tout, lui? Yeah, attends. Friendly, last operator standing. Starting the clock. Il voit tout, non, mais le blitz, il est bizarre, on est d'accord? Chut, s'il vous plaît, j'aimerais faire un kill. Ça cheat. Ouais, ça cheat. Ouais, il cheat. Vas-y, go sur red, j'en ai marre, go sur red maintenant. Vas-y. Attends, je veux voir un truc. Oh oh, non mais j'en ai marre. Je vais poser une caméra au-dessus. Vraiment, ceux qui sont sur site, gardez là, c'est important. Là au moins il peut pas mettre de balles ici, il serait obligé d'être face à moi. Et là, pim. En fait, regardez les deux. Ah ouais, moi je reste au smoke, smite, sight. Tu vois, on va le niquer le cheater, je vais le niquer. Montagne les gars. Café. Le mec il joue super sécure, tu sais. Ah, regarde ce jeu. Vous ne m'aurez pas. Ah ouais, ah bien wesh. Ouais. Ah, surrender. Regarde, le mec il passe dans les smokes. Non, j'ai envie de jouer jusqu'au bout, moi. J'ai envie de jouer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Regarde-le qui divise la tête, mais fils de. Mais regarde ce qu'il met, quoi. Mais regarde-le, lui. Regardez bien la killcam. Regardez bien la killcam. Hop, hop, bim. C'est bien, monsieur. Train. C'est pas où il est. Oh là là. Mais, là, mais regarde ce qu'il me met. Ils cheat tous hein. Ils cheat mais tous. Oh, on l'a déjà dit, ils sont 3 à cheat. Oh my god. One friendly operator. Non mais moi je l'avais pas, je m'étais pas fait buter pareil longtemps. Regarde ça. One tap, allez, facile. Waouh. Hein. Ils sont diamants, putain, ils le méritent alors. Bah, c'est à cause du nom. Oh non, ils doivent ouais, être forts. Pour ça, oh non, finalement en fait, c'est peut-être pour ça qu'ils mettaient pas, des en fait. Bah grave, on est con. Hein. Ouais, oh bah zut alors. Mais eux, à leur niveau, parce que là, c'est vraiment cheaté, du coup, pour gagner, quelle est la fierté? C'est de dire à leur non, frère, en fait, à leur pote, « Hey, regardez, je suis diamant, je pèse dans R6 », c'est ça? Mais non, c'est juste pour le plaisir de te niquer ta part. Non, rien à voir, c'est maintenant, en fait, ils te font jouer avec toi, tu les payes, par exemple, $25, et ils te rank up jusqu'au diamant, par exemple. Mais alors, c'est encore pire, ouais, c'est encore pire, ça veut dire que le mec boosté, il va arriver niveau diamant, et il va dire quoi à ses potes? Ouais, je suis diamant sur R6. Les mecs qui se font booster diamant, quel est l'intérêt? Parce que une fois qu'ils seront boostés diamant, c'est bien, ils ont payé 25 balles pour un diamant, ils sont diamants. Ils vont vouloir aller en ranked, mais ils vont se faire défoncer. Donc quel est l'intérêt? Je sais que sur CS, il y en a plein qui cheataient juste pour pouvoir s'amuser, qui étaient gay. Mais c'est pas marrant de s'amuser à cheater. Enfin, mais il y en a, ils font ça par pur sadisme. Et il y a vraiment des personnes qui achètent $1100. Il y a les gens qui sont serveurs, c'est ça, je veux ouvrir la table ou pas? Vous voulez? Ça, c'est du pré-shoot, les gars. En deux mots, le ban. C'est... Il est mort, serveur. Il est mort, je viens de le tuer. Faites gaffe au back, ouais. Mary, est-ce que je peux aller prendre. Attendez avant.
Merde, j'ai plus de balles. J'ai plus de balles, j'ai plus de balles, j'ai pas rechargé, putain. Ah, on a le drone dessus. Hein. Il vient te chercher. Oh, beau pré-shoot. Bien joué, mec. Moi, il y a un jeu que j'attends énormément. Je crois que j'étais un des premiers à en parler. Mais je crois que oui, hein. À l'époque, j'étais à la native. Je vois de quoi tu Et il y avait même pas encore le site. Il y avait même pas encore le site web, c'était Ready or Not. Ouais, je savais que tu m'attends. Et lui, je l'attends énormément. Je sais pas ce qu'il va donner. Je sais pas. Ça... Compétitivement, je pense pas. Alors, compétitivement, je sais pas. Je pense que le solo va être excellent. Après, s'ils arrivent à faire un truc, qui tient bien la route en multi, ça peut énormément percer. Maintenant, pour l'e-sport, je sais pas. Parce que l'e-sport a besoin de spectacle, a besoin de rapidité. Il faut que ça soit accessible. C'est... Hein, et accessible. Voilà. Mais compétitivement, je sais pas s'il va cartonner parce que c'est. Mais je pense que ça va être un jeu qui va être juste excellent à jouer. Non, il faudrait juste que ça soit plus réactif les bans. Des cheaters, en fait, il faut partir du principe que des cheaters, tu en auras toujours. Quelle que soit l'astuce que tu trouves. C'est un ban. Il y a un bit qui. Non, je crois que c'est Non, arrête. Non. On l'aurait su dès la première game. Je l'ai vu, il était sur mon truc. On l'aurait vu dès la première game s'il cheatait. On est un peu parano maintenant. Il y a un billet qui a été renforcé, il m'a tiré au travers du billet. Oui, ça c'est un glitch. Oh oui. Mec, mais c'est quoi ce game là? Mais c'est d'où il est déjà sur site lui? Il a même. Il y a pas d'arme sur la killcam. Ah ouais, il y a pas d'arme sur la killcam. Oh là là. Allez, vas-y. Mission failed. On peut pas jouer à ce jeu tranquillement, quoi. Regarde, on voit pas son arme, voilà. C'est le glitch. Voilà. Comment il me la met aussi précis? Mais c'est quoi ce glitch? C'est du one tap là qui me met. Non, mais c'est juste qu'en fait, il vise. Le glitch fait que tu vises, mais que t'as pas l'impression. Ouais. Enfin, nous on les voit pas viser. Mais. Regardez, voilà. Vous avez le bouclier. Et regardez bien, on va pas voir son arme. Les deux, on voit pas leur arme. Et voilà. Regardez. Voilà. J'espère que pour cette game. Là, franchement, j'arrête pour ce soir. Obligé. Normalement, tu peux plus jouer. Siskat disait que je prenais toujours la même ligne, donc j'en ai une nouvelle maintenant. Allez, y'a Bits. Bits dans le site. Il fait des trucs bizarres lui aussi. Je les re-hit. Putain, il meurt jamais lui. Allez, ça glitch. Oh là là. Il meurt pas. Il meurt pas. Ah, tu sais quoi, vas-y, bah, sur un Attends. Non, alors, pour le. Dans mon dos. Ouais. Tu peux arrêter. Ouais. Mort. Il est mort en haut. Je sais pas s'il y en a un autre. Oh le timing. Mais qui fait ça quoi? Qui se prend pour Superman à sortir comme ça? Ah, le mec qui sait qu'il va gagner parce qu'il a touché pas là. Nice glitch. Thanks. Love you. Fair play. Motherfucker. Et les mecs, c'est des LFT, tu sais. On est LFT, on est content, on recherche une team avec une bonne structure, on glitch très bien. On est assez balèze pour ça. Et on veut une équipe, parce qu'on est très fort. On est diamant. Bon, on a été diamant parce que, évidemment, on utilise nos glitchs.